Voilà, désolé, un petit contretemps nous a fait commencer cette émission un petit peu en retard, mais nous voici, nous voilà en direct, et c'est ça la technique, hein, c'est comme ça. Donc veuillez nous excuser de ce départ un petit peu retardé, mais nous sommes là face à vous, je suis là face à vous, on va pouvoir faire cette émission. Et oui, ça vous prouve que nous sommes en direct, hein, donc voilà. Donc voilà, des fois des gens disent « Oh mais c'est différé, c'est tout enregistré ». Pas du tout. Voilà, nous sommes là en direct. Quelques minutes de retard, on s'en excuse encore. Mais voilà, l'émission démarre maintenant. 0901 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc les deux avec les personnes qui sont là en bas de votre écran. Vous faites le 2 et ensuite vous composez leur code PIN. Et puis vous pouvez aussi, comme vous le savez, participer à cette émission. Très très simplement, en appelant le 0901 901 993, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur le concours TVM3, concours qui consiste à vous inscrire à notre panel. Et si vous êtes pris, si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous rappellera et vous pourrez avoir une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer. La seule chose que vous aurez à payer, il y a quand même un petit coût, c'est pour vous inscrire à notre concours, ça coûte 1 franc. 1 franc, ce n'est rien du tout. Si on passe, vous voyez, 3, 4, 5, 7, 8, 10 minutes au prix qui est indiqué en bas, vous voyez, ça, vous ne le payez pas. La consultation sera gratuite, mais l'inscription coûte 1 franc pour notre pourvoyeur de ligne. Et puis, ça vous permettra ainsi de faire partie de notre panel concours et peut-être d'avoir la chance d'être tiré au sort, peut-être déjà dans un instant ou pendant l'émission ou à notre émission suivante, bien sûr. C'est vrai que les gens qui sont inscrits, tôt ou tard, ils finissent par être tirés au sort parce que tant qu'ils n'ont pas été tirés au sort, eh bien, ils continuent bien sûr à, comment dirais-je, à tourner dans notre panier électronique. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit souvent jouez, jouez, inscrivez-vous, vous serez automatique. Alors, on ne sait pas quand, ça peut être maintenant, dans 1 heure, à la fin de l'émission ou à la prochaine émission, avec moi ou un de mes collègues, mais vous serez automatiquement un jour ou l'autre ou à un moment ou à un autre tiré au sort. Donc allez-y, ne dites pas que ça n'arrive aux autres parce que ce n'est pas le cas chez nous. Voilà. Après, on ne sait pas quand. Bien, alors vous savez tout ça. Donc comment vous faites? Vous mettez le mot TVM3 sur un SMS. Donc c'est un SMS. Vous avez deux façons. Vous pouvez vous inscrire par SMS, effectivement. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et vous faites envoyer et vous êtes inscrit directement donc pour 1 franc. Vous ne voulez pas faire comme ça, ou vous n'avez pas la possibilité, ou vous dites non, moi je ne suis pas pressé, alors vous pouvez aussi faire ça sur une carte postale, ou un simple bout de papier que vous mettez dans une enveloppe et vous adressez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écublens. Et vous mettez à côté votre prénom, mettez votre prénom, le vôtre. S'il y en a d'autres, vous nous les donnerez quand on vous appellera pour le concours. Mettez au moins juste votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre, bien sûr, facilement. J'insiste sur le facilement. Parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, des gens s'inscrivent, mettent un numéro de téléphone, on les appelle, on les appelle, on les appelle, et ils ne répondent plus. Bon, ou ils ne répondent pas, ou ils pensent que c'est de la pub, j'en sais rien. Alors, mettez un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Si vous savez que vous avez participé à un concours, imaginez-vous que peut-être on vous appelle pour cela. Donc voilà, donc répondez quand même. Et puis, si ce n'est pas nous que c'est effectivement de la publicité, vous faites comme on fait tous à chacun. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Bonne journée, madame. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Et vous raccrochez. Vous n'êtes pas obligé de tenir une conversation. Voilà, mais comme je vous ai dit, j'ai fait ce travail pas dans le même sens comme ça de publicitaire. C'était des enquêtes, il n'y avait rien à vendre, mais on se faisait quand même des fois renvoyer. Les gens ne voulaient pas, il n'y a pas de souci, on ne force jamais personne. Mais c'est un travail comme un autre et il faut avoir le respect des gens qui travaillent. Et là, encore une fois, je vous prie, vous faites ce que vous voulez, je n'ai pas de conseils à donner, mais moi, quand je travaillais comme ça, alors. Moi, je suis quelqu'un, ça me passe dessus. Moi, les gens qui me disaient, mais allez-vous faire, merci madame, au revoir. Je raccrochais, je faisais le numéro suivant. Comment dirais-je, ça ne me faisait rien, ça coulait sur moi. J'ai des collègues qui devaient même s'interrompre quelques secondes parce qu'ils disaient, oh là là, je me suis fait insulter, je supporte pas ça. Je dis, mais laisse tomber, laisse tomber. La personne, j'ai dit des choses pas très sympas. Si la personne est comme ça, elle a peut-être ses raisons, ou elle est peut-être pas très, très, ou elle réfléchit pas beaucoup. Moi, je passais au numéro suivant. Ça ne me désarçonnait pas du tout de faire le numéro suivant. C'est pour ça que j'ai duré quand même
plusieurs années là-dedans. J'avais des collègues qui faisaient 3, 4, 5, 6 mois, une année, puis qui finissaient par en avoir marre, ce que je peux comprendre, parce que vous faire envoyer sur les roses toutes les 10 minutes, c'est pas forcément très facile. Hein. Mais bon, moi, ça me... Alors, je vous dirais quand même, tiens, une petite anecdote, si je peux me permettre. Moi, j'ai été envoyé sur les roses, comme tout le monde, mais pas autant que ça, parce qu'en fin de compte, alors, je ne veux pas dire que j'ai... Est-ce que c'est ma voix qui rassure Puis moi, quand j'attaquais ces gens, quand je téléphonais à ces gens-là, je disais, bonjour madame, bonjour monsieur, avant tout, rassurez-vous, il ne s'agit pas de commerce, je ne vous vends rien, c'est uniquement un sondage pour telle ou telle ou telle entreprise ou pour telle... C'était des fois des choses étatiques. Hein, je veux pas les nommer, mais voilà. Et là, on disait, vous voulez rien vendre? Non, c'est juste, ça dure combien? 8 minutes. Et ça durait 7-8 minutes, parce qu'on a appris aussi dans ce genre de métier à dire la vérité. Dans le temps, on vous disait, oh, il y en a pour 5 minutes, puis il y en avait pour 35 minutes. Et ça, maintenant, je peux vous dire que les gens qui vous disent ça dure 10 minutes, ça peut durer 12. Parce que, alors, je ne suis pas tellement là pour parler de ça, mais des fois, les gens, alors ça, c'est quand même, les gens sont quand même drôles. Des fois, on leur dit ça dure 10 minutes. Mais quand vous posez une question, la personne dit, oui, alors vous savez, une fois, il m'est arrivé ceci avec mon mari, tout ça, tout ça. Alors vous êtes là, vous êtes poli, vous écoutez. Ok, je peux vous poser la question suivante. Oui, oui. Alors vous savez, alors je pose la question suivante. Ah, parce que vous savez, puis après, il y en a une qui m'a dit, hey, mais on m'avait dit 10 minutes, on en a fait 25. Je dis, mais madame, si vous me racontez votre vie à chaque question, on va même peut-être faire une heure, hein, parce que c'est ouf. Le questionnaire dure 10 minutes, mais si ça se prolonge, c'est parce que vous avez parlé, je ne voulais pas vous interrompre, je ne suis pas malhonnête, je vous écoute, mais on ne peut plus prétendre à 10 minutes si vous parlez entre chaque question et que vous avez pour 2, 3 minutes, ou même 30 secondes, 1 minute à me raconter des choses, c'est normal. Les questions, quand on les fait, tac, une réponse, tac, une réponse, tac, une réponse, c'est 10 minutes, ou 8 minutes, ou 5, ce que ça durait. Voilà. Mais ces gens-là, moi, j'ai beaucoup de respect parce que je l'ai fait. C'est pour ça aussi que je le conçois. Donc, si on vous téléphone que c'est de la pub, moi, quand on me téléphone maintenant, j'en ai plein. Alors, des fois, c'est 3-4 fois par jour. Je dis, madame, oh, merci, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes gentille. Je sais, vous faites un travail, mais je n'ai pas besoin de ça. Et vous savez pourquoi on nous téléphone beaucoup en fin d'année? Mais écoutez, pas de problème, bonne soirée. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas, n'insistez pas, c'est non, au revoir, merci, belle soirée. Clac, et je raccroche. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens qui ont de la peine à raccrocher. Il faut savoir raccrocher, il faut savoir dire oui, mais il faut aussi savoir dire non. Non, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir madame, belle soirée. Clac, et puis c'est fini. Voilà, mais répondez. Alors après... Vous allez dire, Bruno, avec ses conseils, si je n'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas. Mais ne répondez pas. Mais par exemple, pour le concours, peut-être, je ne sais pas, vous avez joué un concours où vous gagnez 1000 francs, vous ne répondez pas, ben vous les avez perdus. Hein. Parce que des fois, il y a des concours aussi, on vous appelle, on dit, voilà, madame, vous avez été tiré au sort à tel et tel, je ne veux pas donner de nom. Il y a des concours dans toutes les télés. Vous ne répondez pas, ben, il dit, ah ben, tant pis, c'est perdu, on appelle quelqu'un d'autre. Moi, je réponds toujours, on ne sait jamais qui est au bout du fil. Hein, donc voilà. Bon, bref. C'est vrai qu'il y a plus de choses que ce soit de la publicité que des concours gagnants, mais on ne sait jamais. Voilà. Alors, moi, en tout cas, allez, on continue l'émission. Donc, on est là pour vous ce soir. N'hésitez pas. Donc, comme je disais, mettez un numéro de téléphone valable et on puisse vous joindre facilement. Et puis, si vous voulez mettre aussi sur votre carte postale ou votre lettre un petit commentaire du style « Coucou, comment allez-vous toute l'équipe ?» Il y en a beaucoup qui font ça. Vous pouvez, sans autre, ça nous fera toujours plaisir de savoir que vous êtes content ou si vous avez quelque chose à nous dire aussi. Hein, pas de souci. Alors, restons dans la, comment dirais-je, dans la décence. Et voilà, nous aussi, moi aussi, je fais un travail. Tous mes collègues ont fait un travail que vous, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas content, ben zappez, hein, vous n'êtes pas obligé de nous regarder. Personne ne vous oblige à regarder une émission ou une chaîne ou une autre. Donc, si vous n'êtes pas content, ne zappez. Mais ce n'est pas pour nous envoyer. Parce que je vais vous dire, on a aussi reçu des fois des gens qui ne sont pas très, très sympas. Hein, donc voilà. Mais bon, passons. Moi, les gens pas sympas, comme j'ai dit, je les laisse de côté. Moi, ça ne me dérange pas trop. Je dis, tant pis pour eux. Ils n'ont rien compris. Bref. Si vous avez compris, j'en suis sûr, qu'on est là, toute l'équipe, pour vous aider, pour essayer de trouver une réponse, trouver une voie, pouvoir peut-être vous faire avancer sur un chemin difficile. Vous êtes peut-être dans une mauvaise période de votre vie. On est tous, on a tous des moments plus difficiles que d'autres.
un décès, un problème d'argent, une perte de travail, une séparation, un divorce, des disputes familiales. On a tous des soucis, des problèmes comme ça. Si c'est pas celui-là, c'est un autre, c'est un autre. On se dispute avec un ami ou une amie et puis on ne se parle plus. Puis on sait quelqu'un qu'on tenait, puis ça nous fait du mal. Il y a plein de choses qui nous arrivent tous les jours, enfin, peut-être pas forcément tous les jours, mais très souvent. Mais c'est la vie, ça fait partie de la vie. Moi, j'ai appris avec, j'espère, sans vouloir me jeter des fleurs, un petit peu de philosophie de vie avec les années qui passent, c'est que c'est vrai que mes parents ou des gens me disaient toujours: Ah, mais tu verras, ça va mal, mais après, ça ira mieux. Et c'est vrai. Tout d'un coup, vous êtes de: Ah, mais ça va mieux cette période, on est bien, on peut faire certaines choses, on peut peut-être partir quelques jours, ou on est, question argent, ça va pas si mal finalement. Et après, tout d'un coup, ça va moins bien. Mais voilà. Mais c'est vrai que la vie est faite de vagues. Moi, j'ai remarqué, hein, on est bien, on n'est pas bien. On a la santé, on l'a moins, on l'a de nouveau, on l'a de nouveau moins bien. L'argent, on est bien, on n'est pas bien, on est bien dans un appartement, finalement, on ne s'y trouve pas bien parce qu'il y a des voisins qui nous ennuient, on déménage et ça va mieux. Donc il y a toujours des solutions. Il n'y a jamais, jamais. On dit toujours qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais c'est vrai quelque part. Hein. Et puis il ne faut pas non plus rester, comment on va dire, prostré ou rester dans son problème ou être enfermé. Il faut être ouvert et dire: bah, demain, voilà, aujourd'hui il a plu, demain il y aura peut-être du soleil. Et si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Voilà. Mais le soleil va finir par revenir. Hein. Vous voyez, il pleut, ces temps, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est vrai que c'est barbant, on a tous marre de cette pluie. Du vent, voilà, plein de choses qui se passent. Mais on sait qu'à un moment, il y aura peut-être de la neige entre deux, mais le soleil va finir par revenir. Et la vie est faite comme ça. Donc, c'est vrai que quand il nous a. Alors, je suis d'accord avec vous, je sais ce que vous allez me dire, je l'entends déjà. Oui, mais quand on vous tombe en plein malheur, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Et on doit passer des moments très, très difficiles, très compliqués, mais la vie continue. On a un décès comme j'ai eu dans quelqu'un, que je vous l'ai dit l'autre fois, quelqu'un de proche, mais la vie continue pour tout le monde. On peut pas, on dit qu'il faut pas vivre avec les morts, mais enfin les morts, on le sera aussi un jour. La vie pour les autres continue. C'est pas parce qu'un jour je vais partir que mes enfants, mes petits-enfants doivent cesser de vivre pour ça. Au contraire, c'est là où je serai content de les voir vivre et de pouvoir s'en sortir. Et c'est ça qu'il faut penser. Il faut rester optimiste. Et moi, j'essaye. Alors, je prêche des fois, je peux être aussi dans le trou, hein, ça m'arrive. Hein, donc, mais j'essaye toujours de m'en sortir avec une pensée positive. Et puis, voilà, je vous ai parlé du dentiste tout à l'heure, enfin, le passe tout à l'heure, dans une autre émission où je suis quelqu'un de très craintif, j'y arrivais, très craintif, et on me met un truc pour que je sois un petit peu endormi. Alors, on ne dort pas. Alors, ce que je fais quand je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu de l'autosuggestion, et ça, je vous le conseille aussi. Si vous devez passer un examen médical compliqué, bon, si on vous fait mal, on va vous endormir. Mais un truc comme ça, vous fermez les yeux et vous pensez à des choses agréables. Moi, quand je suis comme ça chez le dentiste, parce que vous êtes un petit peu dans les vapes, mais vous êtes quand même là, donc vous sentez quand même les choses. Moi, je me suis imaginé mes vacances. Ah, quand j'étais au bord de la plage, on a bien rigolé. Après, on était mangé ceci. Puis après, on a couru pour prendre le métro. Je parle une fois que j'étais à Barcelone. On a fait ça. Et puis, pendant que vous pensez ça positivement, mais je pense pas quand on a voulu traverser puis qu'on a failli se faire écraser. Il faut pas. Voilà, c'est arrivé en plus parce qu'à Barcelone, ça roule comme des malades. J'ai pas pensé à ça. On pense à des choses positives. Et pendant que vous pensez ça, ben, votre corps s'allège. Le calme revient. C'est un peu de l'autosuggestion. C'est un petit peu, je ne veux pas dire que c'est de l'auto-hypnose, ça ne va pas jusque-là, mais c'est quand même un conditionnement. Et là, quoi que vous fassiez, ayez toujours des pensées de votre enfance, avec vos parents, avec vos amis, avec votre conjoint, ou à la naissance d'un enfant, la joie. Pensez aux moments de joie et de bonheur qu'on a, et vous verrez que les moments de douleur, de tristesse, de pleurs vont s'envoler très rapidement. Il faut, alors il faut, il faudrait pouvoir toujours garder. Alors je sais que c'est pas si facile. Je vous donne un exemple aussi. J'aime bien, voilà, donner des exemples. Il n'y a pas si longtemps, j'ai pensé à la personne dont je vous parlais qui a disparu, qui était une proche. Et en pensant à ça, il m'est monté un cafard, une angoisse et presque une envie de pleurer. Et j'ai dit: stop,
stop, je ne veux pas aller plus loin parce que je vais me sentir mal. Et j'ai tout de suite pensé à la personne, mais au moment où on était mangés ensemble, on a passé un moment merveilleux en allant à l'endroit où cette personne est aussi venue une fois à Barcelone avec d'autres personnes. Et j'ai pensé à des choses positives. Enlever ce qui est négatif, enlever-le. Je sais, encore une fois, que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec ça, on peut faire ce qu'on veut. Donc, forcez-vous à dire non, c'est ces mauvaises choses, la mort, tout ça. Bon, ma foi, c'est là. Mais pensons plutôt aux bonnes choses qui se sont passées avant. Au moment agréable, au moment où on a ri, au moment où on a partagé quelque chose de formidable. Et vous verrez que moi, ce stress qui me montait en pensant, parce que bon, j'ai repensé au décès et tout ça, et puis ça, voilà, des fois quand on pense à des choses pas bien, ben, on se trouve pas bien. Et tout ça est parti d'un coup. Et c'est comme ça. Alors moi, j'essaye d'agir le plus de fois comme ça, quand j'ai des pensées négatives ou des choses comme ça. Et vous verrez, ceci régit aussi, alors moi je veux pas être plus prophète comme mon pays que quelqu'un d'autre, mais disons que quand on agit comme ça, eh ben, on se sent mieux déjà dans la vie de façon générale, parce que le négatif, tout négatif, on laisse de côté, puis on va plutôt que dans le positif. Et quand un moment négatif vous revient, ben, on sait qu'on replonge dans ce positif et puis ça part. Et voilà, donc moi j'essaie d'agir comme ça, alors après... J'ai rien inventé, hein. C'est la pensée positive, c'est connu avant moi, bien avant moi, mais c'est vrai que ça marche, et puis comme je vous dis, chez le dentiste, quand je suis comme ça, que je suis un petit peu dans la crainte, et que même quand on m'a mis ce machin, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de trafiquer, je pense vite à quelque chose d'agréable, et ça passe, et c'est quelqu'un qui m'avait donné ce truc une fois, j'ai dit, c'est vrai que ça marche vraiment, vous verrez, vous devez... Alors, je sais que si vous allez, par exemple, devant, j'allais dire encore un exemple, vous allez devant, je ne sais pas, vous avez une réunion avec votre patron qui doit vous engueuler, c'est difficile de penser à ce moment-là, ah, je vais penser aux vacances, vous êtes pris, vous ne pouvez pas, parce que vous devez écouter ce qu'il va vous dire, qui sont peut-être des reproches ou peut-être une mise à la porte, mais donc il y a des moments où on ne peut pas dire, alors attendez monsieur, oui, vous me fichez à la porte, attendez, alors je pense aux vacances, ah, c'était génial, oui, bah, qu'est-ce que vous disiez? Non, c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps, mais lorsqu'on est seul et qu'on pense à des choses ou qu'on ressent, parce que des fois on nous envoie aussi beaucoup d'ondes négatives, faites comme ça et vous verrez que tout va s'envoler. Voilà. Parfait. On continue? Allez, on y va avec l'émission. Je ne sais pas du tout où on en est. Je vais regarder mon petit chrono parce que... Voilà, on a... Voilà. Alors, donc vous savez que vous pouvez nous atteindre au 0901-901-993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous composez le 3 et ainsi vous aurez quelqu'un au hasard à l'arrière. Et comme je viens de le dire en ayant pris du temps, si vous voulez participer à l'émission, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, ou bien vous envoyez une simple lettre ou une carte postale adressée à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285-285-1024 Écublanc. Et puis là, mettez vos coordonnées et un numéro de téléphone. Parce que si vous mettez, coordonnées, mettez un prénom et un numéro de téléphone, ça suffit, mais il faut au moins mettre un téléphone. On a eu reçu des fois des cartes postales, c'est marrant, avec le prénom, la date de naissance, pas de téléphone. Alors là, on a beau être dans la médiumnité, si une personne s'appelle Bruno, lequel Bruno dans le monde, ou en Suisse romande, il faut le trouver. Donc mettez bien votre numéro de téléphone. Si vous le faites par SMS, vous n'avez pas besoin de mettre votre numéro de téléphone, il sera reconnu par le système. Et après, voilà, donc ça sera effacé. Voilà, donc ça c'est une des choses. Vous savez qu'on a aussi... un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Plein de choses, les replays, vous pouvez aller voir, revoir des anciennes émissions, vous pouvez aller dans la boutique, le shop, je parlerai, il y a une des nouveautés qui sont là, très très belle, vous les voyez ici un petit peu dans ce petit mannequin, je vous en parlerai tout à l'heure, le shop avec plein d'objets, l'explication de chaque objet, bracelet, carte, la grenouille, enfin tout ce que vous voulez, et tous les objets que nous avons dans notre boutique, avec chaque fois l'explication de comment l'utiliser, comment ça fonctionne, s'il faut la...
Si c'est une pierre, s'il faut la purifier au soleil, à l'eau, à la lune, etc. Tout est expliqué. Les prix, bien sûr, il y a le prix de l'objet, qui est un prix net de l'objet, à part la livraison, les transports, bien sûr, qui vous seront facturés en-dessus du prix que vous verrez sur notre site. Hein, voilà. Si vous commandez un petit colis, un truc comme ça qui va dans une enveloppe, ça sera un prix d'enveloppe, ça ne sera pas grand-chose. Maintenant, si vous commandez des grosses pierres ou des trucs qu'on a qui sont lourds, eh ben ça sera comme tous les colis suisses, selon la poste, le prix de l'envoi du poids du colis. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça, c'est pour le site et pour notre shop. Vous avez aussi les consultants. Vous pouvez aller voir, par exemple, vous voyez les consultants qui sont en bas de votre écran. Ceux qui sont en vert sont libres. S'il y en a qui sont en orange-rouge, ils sont occupés. Et en allant sur le site, vous pouvez aller voir aussi les absents, ceux qui ne sont pas connectés en bas de votre écran et qui sont à l'arrière, qui ce soir ne travaillent pas, voilà, c'est pas toujours les mêmes. Et donc ces gens-là, vous pouvez aller voir ce qu'ils font en cliquant sur leur photo, ça va s'ouvrir un petit, moi j'appelle ça un petit déroulé, un petit texte qui va s'ouvrir, qui va vous présenter la personne. C'est un texte, j'en ai aussi un moi-même, que j'ai mis en place là, au début que j'étais là. Maintenant, il date de quelques années, mais il explique un peu qui je suis, avec quelle carte je travaille, et patati patata, voilà. Il y en a qui parlent du pendule, il y en a qui parlent du tarot de Marseille, voilà, il y en a d'autres qui vont dire je peux vous aider plus dans ceci ou cela. Donc voilà, donc chacun ses spécialités, ses mancies, et donc c'est une petite présentation succincte de chaque personne. Une petite chose encore que je pense en voyant l'écran qui est aussi devant moi, comme vous l'avez chez vous, vous avez, vous voyez, 8 petites personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, vous avez 8 personnes. 6 ont 10, peut-être à être connectés ce soir. Je ne sais pas combien ils sont, moi je ne le vois pas. Il y en a 2 que vous n'arrivez pas à voir de suite. Ils sont derrière. Donc c'est une espèce de rotation qui intervient toutes les, je ne sais pas exactement combien de minutes. Parce que des fois, des gens disent « Ah, mais je voudrais atteindre tel et tel » et il n'est pas là. Et en fait, il est là, mais on ne le voit pas. Donc il faut des fois... Alors si vous allez sur le site, vous allez voir toutes les personnes, si on a 8, 9, 10, 11 ou 12, sur l'écran de ceci où vous faites à votre écran de téléviseur que vous avez devant vous, vous n'en voyez que 8. Mais alors, si ça ne bouge jamais, c'est encore qu'ils sont juste 8. Mais si de temps en temps, ils sont 9 ou 10, ça va s'interchanger de temps en temps avec là où les personnes qui sont à l'arrière. Donc, sachez-le, ça, c'est une chose quand même qu'il faut savoir. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? On a, avant de passer à la petite page de pub, on va me le dire quand il faudra. Il faut encore savoir que nous avons aussi des cartes prépaid sur notre site que vous pouvez voir. À quoi servent ces cartes prépaid? Eh bien, tout simplement à avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. On vous le montre dans la petite case qui est à côté de moi. Donc, ces cartes prépaid, à quoi elles servent? Comme je disais, avoir des minutes moins chères selon le nombre de minutes que vous allez acquérir. Vous prenez 10 minutes, vous ne paierez plus que 3,50 francs la minute. Vous voyez qu'il y a déjà une différence avec le prix qui était annoncé. Rien qu'avec 10 minutes, 10 minutes à 3,50, c'est vite calculé, tout le monde sait compter, 35 francs. Pour 35 francs, vous avez 10 minutes. Vous pouvez prendre 10 minutes, les utiliser, puis une fois ou deux fois, voilà. Vous voulez prendre plus, vous pouvez prendre plus, 30, 60, je crois qu'il y a 15, 30, 60, 90, 120. Plus vous prenez de minutes, moins cher est le prix. 3,40, 3,30, 3,20, 3,10. Pour arriver à 120 minutes, c'est le plus que vous pouvez prendre, il n'y a pas plus. On peut prendre que 2 heures, 120 minutes, pour 3 francs la minute. Et là, c'est 120 minutes pour 3 francs la minute. Eh bien, vous pouvez les utiliser quand bon vous semble. Il n'y a pas de date de préemption, de date de limite de carte de prépay. Ce n'est pas qu'elle est valable 6 mois, puis après les minutes sont perdues. Pas du tout. Tant qu'il y a des minutes, même si ça a duré 5 ans ou 10 ans, tant qu'il y a des minutes, elles fonctionnent. Voilà. Donc vous pouvez utiliser votre carte à votre convenance. Je ne sais pas, au mois de décembre, vous avez une question à poser, ça vous dure 12 minutes, je dis n'importe quoi. Donc 120 moins 12, c'est vite fait, il vous reste 108 minutes. Et puis tout d'un coup, au mois de février, vous avez de nouveau une question, vous utilisez 4 minutes, donc 108 moins 4, 104. Et puis ainsi de suite, ça va aller en diminuant jusqu'à ce que ça arrive à zéro. Et à la fin, vous avez une petite sonnerie qui retentit, qui vous dit que les minutes vont être terminées. Donc tout est extrêmement bien fait.
fait. Ça a été fait pour vous, pour que vous puissiez utiliser ces minutes et ces prix bas pour vous à bon escient, j'allais dire, je cherche un autre terme, mais disons à votre convenance. Et puis voilà, puis après, vous pouvez recharger votre carte. Comment acquérir ces minutes? Rien de compliqué, je vais y arriver. Rien de compliqué, rien de plus facile. Alors, souvent, quand on l'explique comme ça, on dit, oula, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, vous allez sur le site, il y a deux façons. Vous allez sur le site, vous choisissez votre minutage, vous dites, voilà, je prends 90 minutes, je dis n'importe quoi. Ça va vous dire vos paiements, tout ça. Alors, vous prenez une carte de crédit. Attention, carte de crédit, les cartes de débit ne fonctionnent pas. Une carte de crédit, vous mettez votre numéro de carte de crédit, vous pouvez le mettre les yeux fermés. Alors, je le dis souvent, la sécurité absolue n'existe pas, mais à 99,9%, depuis que l'émission existe, il n'est jamais rien arrivé avec ces cartes de crédit. Donc ça va être débité sur votre carte de crédit immédiatement. Voilà, je voulais dire, des choses peuvent arriver, mais je n'ai jamais vu. Alors, vous mettez votre numéro de carte de crédit, votre date, la date de crédit, jusqu'à quelle date va votre carte, etc. Et ensuite, ça sera débité comme quand vous payez dans un commerce, vous allez manger au restaurant, vous payez avec votre carte de crédit, pof, ça passe. Dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro. Là, on vous le dira, veuillez appeler tel numéro, et puis vous mettez le code à 5 chiffres que vous aurez reçu, et votre carte, si vous avez pris 90 minutes, eh bien elle va commencer à se débiter de 90 à 0, de 90, 89, 59, 58, 57 secondes en dégressant, je ne sais pas comment on dit, en arrière, voilà, on va y arriver, jusqu'à 0, ou le temps que vous avez, le nombre de minutes que vous avez utilisé. Donc c'est extrêmement facile. Si vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas de carte de crédit. J'en connais, il y a des gens qui... Moi, je ne veux pas de carte de crédit parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Ils ont peur de s'endetter, je comprends. Vous pouvez aussi commander ces cartes prépayées par téléphone au numéro que vous voyez. Donc, pendant les heures de bureau, donc le matin, l'après-midi, mais encore une fois, les heures de bureau, si vous appelez maintenant, il y aura un répondeur, mais vous pouvez quand même laisser votre message. Si vous voulez une carte de prépayée, dites, voilà, je m'appelle tel et tel, j'aimerais une carte prépayée de 90 minutes. Je m'appelle, donc comme si voici mon numéro de téléphone, on vous rappellera. Mais sinon, si vous voulez parler avec quelqu'un en direct parce que c'est plus facile, eh bien, appelez pendant les heures du bureau du lundi au vendredi. Donc vous appelez ce numéro 021 694 24 00. Vous dites, si la personne vous répond, j'aimerais une carte de 90 minutes, on va vous envoyer ça par courrier avec un bulletin. Dès que vous aurez tout réglé, eh bien, vous recevrez votre code à 5 chiffres et vous pourrez l'utiliser la même chose. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire, vous l'avez compris, en envoyant par poste, en devant payer, en attendant le paiement, ça prendra quelques jours. Si vous êtes urgemment, si c'est quelque chose d'urgent ou pressé, ben en faisant comme ça, il faudra attendre quelques jours. Sinon, prenez-le directement sur le site. Voilà. Tout est expliqué, enfin presque tout, on dirait jamais rien n'est expliqué à fond, mais enfin la plupart des choses que je voulais vous dire est expliquée. Avant qu'on va se quitter quelques instants, pour reposer ma voix et aussi pour la pub, on va se quitter juste quelques minutes et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir et tout fonctionne bien, formidable, tout est revenu à la normale. J'attends vos appels au 0901-901-993, n'hésitez pas. Ce numéro que vous pouvez composer, bien sûr, après vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière ici en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 tout simplement, voilà, vous faites le 3 et c'est le système qui vous, parce que des fois on fait des choses machinalement, c'est un peu comme ça je voulais dire, donc vous faites ça, boum boum crac crac, donc le 3 et vous serez connecté avec quelqu'un au hasard à l'arrière. Je crois savoir qu'il y a quelqu'un qui devrait arriver, j'espère que notre technique là, sur le plateau tout fonctionne, mais je crois savoir qu'on avait peut-être des petits soucis de téléphone. On va attendre un petit peu, voir si la personne arrive à nous joindre. J'ai déjà vu le prénom, je l'ai marqué,
mais pour l'instant, je n'ai pas la sonnerie, donc ça veut dire que pour l'instant, elle n'est pas tout à fait là. Alors, en attendant, ben voilà, oui, ça revient. Ça revient. Ah, ça fonctionne formidable. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Voilà, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, bonsoir Formidable. Bruno. Oui, je vous entends madame. Bonsoir. Vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Bonsoir Bruno. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, parce que vous me dites oui, puis quand je vous Je parle, vous vous me répondez. entends à la télé, mais pas Oui, au ah, téléphone. vous ne m'entendez pas au téléphone? Allô? Oui, allô? Alors, je crois qu'on va vous reprendre, madame, parce que vous ne m'entendez pas. Hein, donc, et en fait, la télé, il ne faut pas la mettre parce que ça fait un écho. Je vous laisse. Voilà, on va vous reprendre parce qu'effectivement, vous ne m'entendez pas. Donc, il y a un souci apparemment. Toujours. Bon, voilà. Voilà, bon. Voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est le direct. Hein. Des fois, il y a des petits trucs qui se. On ne sait pas. C'est marrant, hein, parce que des fois, on se demande pourquoi on ne touche rien, puis d'un jour à l'autre, pouf, il y a des choses qui, tout d'un coup, ne fonctionnent plus ou fonctionnent. Voilà, bon. C'est la technique, c'est comme ça. Alors, il ne faut pas me demander trop, moi, dans la technique, je suis nul, vraiment. Je suis plus quelqu'un de cérébral, mental, intellectuel, sans aucune prétention, que manuel. Donc, ce n'est pas mon truc. Donc, voilà. Donc, dès qu'on aura rétabli la liaison avec cette personne, on me la repassera sans problème. Donc, j'allais vous dire, en attendant que cette personne arrive, vous savez que j'ai le message, les messages de l'au-delà. Quand je dis les messages de l'au-delà, c'est donc des personnes proches, disparues. Si vous voulez un petit message, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler, demander un message. On ira chercher un petit message ensemble. Voilà. Ah ben, on est en train de vous le montrer. Il y a aussi, effectivement, la protection que je fais qui est ici sur le plateau. La protection, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pour moi une protection, enfin, comme je pense généralement pour tout le monde, c'est une peur ou. On se dit, bon, je sais pas, je dois voyager, je dois partir dans tel pays ou même, je sais pas, pas très loin, je dois prendre l'avion, j'ai un petit peu peur. Est-ce que vous pouvez me faire une protection? Comme j'ai dit tout à l'heure, je dois discuter avec un patron, un chef, une chef. Ça risque d'être un petit peu houleux, un petit peu de bagarre. Est-ce qu'on peut mettre une protection à ce colloque, à cette entrevue, de façon à ce que ça se passe bien? Voilà, ça, on peut le faire. Je dois aller faire je sais pas, un examen. Un examen, j'allais dire un mot, un examen physique à l'hôpital, chez un médecin, j'ai un petit peu peur, est-ce que vous pouvez me faire une protection? Pourquoi pas? Aujourd'hui, la plupart des examens sont souvent indolores, des fois il y en a qui sont un peu gênants ou invasifs, donc ce n'est pas toujours agréable. Donc est-ce que vous pouvez me faire une protection de façon que j'ai pas trop peur, que je me sente bien, que ça se passe bien, puis que tout se déroule bien. Voilà. Après, le résultat, s'il y a quelque chose ou pas, ça, nous, on peut pas intervenir. Alors après, on peut faire aussi le secret. Le secret est ça pour les douleurs, ou pour, on se dit, voilà, j'ai mal ci, ou bien j'ai telle et telle maladie. Vous savez qu'on parle pas de maladie, mais j'ai telle et telle chose et je suis pas très bien, ou j'ai mal à une jambe, ou je sais pas, ou j'ai mal au dos, c'est le mal du siècle. Ou alors, moralement, je ne me sens pas bien. Là aussi, ça fonctionne très bien, le secret. Est-ce que vous pouvez me faire un secret? Et ce secret-là, qui vient du côté de papa, va vous aider, papa et grand-père, ça va vous aider à calmer les choses, peut-être à avoir moins mal, peut-être à, comment dirais-je, à. Merci. Peut-être à avoir. Alors, on me passe un message, je m'excuse, je vais juste le lire. Hein. Vous voyez que c'est du direct, hein, je vous l'ai dit. Ok, d'accord. Merci. Alors, d'accord, ok. Alors, je disais donc, je reprends, donc je ne sais plus où j'en étais, je m'attends un petit peu troublé. Oui, le secret, effectivement, est là aussi pour aider à, comment dirais-je, à passer un mauvais moment. Si on a mal, je ne sais pas, un pied, une jambe, un genou, le dos.
le moral, comme je disais, eh bien, voilà, ça va permettre de... Ça n'enlève pas forcément la douleur, mais ça peut l'atténuer ou l'enlever. Des fois, les gens disent « Oh, ben, ça va mieux ». Des fois, ça agit tout de suite. Des fois, ça agit plus tard. Tout dépend de plein de choses. Hein. Ça dépend des gens. Il y a des gens, des fois, on leur fait un secret. 2 heures après, ils disent « Ah, oh, mais ça va mieux, c'est super ». Il y en a d'autres, ils doivent attendre 24 heures pour commencer à sentir les effets. Il y en a d'autres, ça leur dure 3 jours, d'autres 6 mois. C'est très, très, très aléatoire. Ça dépend de la personne, ça dépend du mal, ça dépend du moment. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. On ne peut pas faire de règles, parce que des fois, on me dit « Mais ça dure combien de temps, votre secret ?» Et ça fait quoi exactement ? Ça aide, mais combien de temps et quelle est la durée et tout, ça, on ne peut, ni moi, ni personne ne peut le dire parce que, voilà. Je vous dis, il y a des gens, ça leur dure une semaine où ils ont moins mal, puis après ça recommence, ils me rappellent, on refait, puis ça, on doit faire presque toutes les semaines. Et quelquefois, après, au bout de 2, 3, 4, 5, 5 semaines, après, on peut commencer à rallonger parce que ça va mieux. Il y a des gens, on leur fait, puis moi, j'ai une personne qui m'a appelé une fois, je lui ai fait un secret, puis pendant 3 ans, elle n'a plus rien eu. Donc, ça peut aussi faire comme ça, je le souhaite, mais voilà, après ça, on ne peut pas garantir à l'avance. C'est ce que je dis souvent aux gens auxquels je fais le secret, c'est à vous de voir, vous dites, oh, ça va bien, je n'ai pas besoin. Le jour où vous dites, ouf, tiens, ça commence à me refaire mal, mon genou, ah, ça allait bien, ça commence... Alors, faut pas non plus attendre que vous ayez une douleur incroyable, que vous ne puissiez plus poser la jambe par terre. Dès que vous sentez que ça commence à revenir et à commencer à faire de nouveau un petit peu mal, vous connaissez les signes, que ça, quand ça commence comme ça, ou de quelques jours, ça peut être horrible. Téléphonez tout de suite avant d'avoir le mal horrible que vous ne pouvez de nouveau plus poser la jambe par terre. Oula, ça recommence, j'appelle. Et puis, on refait le secret et c'est reparti pour un tour. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont possible à faire, bien sûr, possible à faire naturellement, souvent, hein. Voilà. Ok, alors, donc vous savez que donc, ce secret qui m'a été transmis, comme j'ai dit, par mon papa, mon grand-papa, mon arrière-grand-père, et à mon arrière-grand-père, c'est un guérisseur qui a donné ça, pas dans ce pays, en Espagne, je peux le dire, hein, j'ai rien à cacher, et puis voilà, je suis d'origine espagnole, hein, je suis pratiquement né en Suisse, je ne suis pas tout à fait né en Suisse, j'avais 3 ans lorsque je suis né en Suisse, donc je me sens plus suisse qu'espagnol, même si j'ai gardé la nationalité, hein, pas de souci, voilà. Ok, alors je voulais faire quelque chose, je ne sais plus, ah oui, alors on va parler un petit peu de boutique, en attendant... J'allais dire, il y a quelque chose qui a disparu. Il est là. Non, il est là. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'avais le petit mannequin là. Vous voyez, on va vous les montrer aussi. Donc, il y a des petits colliers très, très jolis avec des 7. Alors, on va peut-être vous le montrer à l'image. Alors, je vous présente ce soir 2 tours de cou. Protection angélique avec le triple 7. En fait, il y a 3 sets. Je ne sais pas si on arrive. Je vais essayer d'en décrocher un. Alors voilà, il est là. Donc au bout, il y a 3 sets. Il y en a un doré et un argenté. Hein. Voilà. Alors, on va vous montrer ces images. Donc, vous allez le voir certainement. Donc l'un est doré, strassé, et l'autre est argenté. Mais ils sont tous les deux de même vertu, ils ont les mêmes vertus et protections. Voici ce que ces tours de cou triple 7, et puis c'est très joli, c'est très mignon, c'est très fin. Je dirais que, oui, je pense que c'est quand même plus féminin, quoique aujourd'hui, hein, plus féminin que, de toute façon, ça se porte dessous une chemise. Voilà, on est en train de vous le montrer. Je pense que c'est plus féminin que masculin, mais pourquoi pas, un homme peut le porter aussi, de toute façon c'est sous la chemise, hein, donc on ne le verra pas. Alors on dit que le trio du chiffre 7 est un nombre puissant et sacré qui a été vénéré tout au long de l'histoire pour sa signification spirituelle. Il représente la perfection, l'achèvement et la réalisation divine. Dans de nombreuses traditions religieuses, le chiffre 7 est associé au divin, à l'infini et au mystère de l'univers. Dans le christianisme, le chiffre 7
est souvent associée à la création du monde par Dieu en 7 jours. Donc, comme il a créé la terre, enfin, il a créé le monde, pardon, pas seulement la terre, en 7 jours. Cet, l'univers. Cet acte de création est considéré comme une manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu. Et le chiffre 7 est donc considéré comme un symbole de complétude et de perfection. En outre, les 7 péchés capitaux, les 7 vertus et les 7 jours de la semaine sont autant d'exemples de la manière dont le chiffre 7 est utilisé pour véhiculer des concepts moraux et spirituels dans la tradition en général. Dans l'hindouisme, il existe 7 chakras ou centres d'énergie dans le corps humain. Chacun correspond à un aspect différent de la conscience humaine. L'arc-en-ciel compte également 7 couleurs qui représentent les 7 aspects de la lumière. En musique, 7 notes, do, ré, mi, enfin, voilà tout ça, quoi, sont censées avoir des propriétés curatives lorsqu'elles sont jouées ensemble. Le bouddhisme enseigne qu'il existe 7 facteurs d'éveil, la pleine conscience, l'étude des phénomènes, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration et l'équanimité. Voilà. En numérologie, le chiffre 7 est considéré comme chanceux parce qu'on pense qu'il est lié à la sagesse intérieure et à l'intuition. Il est associé à l'analyse et à l'introspection. Je vais y arriver. En outre, il y avait 7 merveilles du monde antique et 7 corps astraux visibles à l'œil nu, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Le chiffre 7 nous rappelle notre lien avec quelque chose de plus grand que nous, l'infini et le mystérieux. Lorsque le triple 7 apparaît dans notre vie, il nous invite à nous connecter à notre moi intérieur et à explorer la profondeur de notre être. C'est un rappel de l'importance de notre croissance spirituelle et de l'éveil de notre conscience. Le triple 7 est également considéré comme un symbole de chance, d'abondance. La suite des chiffres 7 est souvent associée à des situations favorables et à des opportunités qui se présentent à nous. C'est un signe encourageant qui nous rappelle de rester ouverts et réceptifs aux merveilles de l'univers. Dans le domaine des relations, le triple 7 symbolise l'harmonie et la connexion profonde. Cela encourage l'amour inconditionnel, la compassion, c'est long, et un cœur ouvert. Cela nous rappelle que les vraies relations reposent sur la confiance, la communication et le respect mutuel. Je m'entendais, moi. Allô ? Ah, je crois quoi. Sur le plan personnel, le triple 7 nous pousse à suivre notre intuition et à écouter notre voix intérieure. Il nous invite à nous livrer à des activités de méditation et de contemplation pour accéder à la paix, à notre sagesse intérieure. En résumé, le triple 7 est bien plus qu'une suite de chiffres. C'est un symbole puissant qui unit nos esprits, nos âmes et nos cœurs. Cela nous rappelle, d'embrasser la chance et l'abondance et de vivre pleinement le moment présent en harmonie avec la magie divine de l'univers. Tour de cou, protection angélique, triple 7 doré ou strassé, donc est à 20 francs seulement, vous rendez compte, plus frais de livraison. Et le tour de cou de protection angélique, triple 7 argenté, est à 18 francs, là aussi plus frais de livraison. Hein, voilà. Donc voilà pour ce tour de cou. Donc c'est magnifique. Hein, voilà, vous le voyez. Je l'ai devant moi aussi. Et c'est très fin. Moi je pense que c'est vrai que c'est très fin. Je veux dire, moi ça me fait plutôt penser effectivement à
quelque chose de plutôt féminin, parce que c'est très fin. C'est, ça veut pas dire que nous, les hommes, on doit avoir des choses grossières, hein, mais voilà, mais c'est quand même très fin. Mais pourquoi pas, parce que la chance, c'est ce qu'on vient de dire, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Donc si, messieurs, vous voulez le porter sous la chemise, personne ne va le voir. On a tous de... Voilà, puis même si on le voit, je crois qu'un 777, c'est pas... Voilà, c'est pas un petit cœur ou c'est pas un truc trop féminin encore, le 777. Voilà, super. Parfait. Allez-y, on n'en a pas beaucoup. Les premiers... Enfin, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais voilà, allez-y, c'est une nouveauté chez nous. Donc, l'argenté, 18, et le doré, 20 francs. Hein, donc, c'est pas cher du tout, du tout, du tout. Et puis, ça va vous amener la chance. Je vous rappelle aussi, puisqu'on parle de chiffres, que je peux aussi, si vous le désirez, si vous en avez besoin, vous donner des numéros de chance, alors que j'aurais créé avec votre date de naissance. Hein. Donc, ce n'est pas forcément que j'aimerais bien vous faire gagner tout le monde au loterie, mais voilà, c'est des numéros de chance que vous pouvez utiliser, combiner, additionner, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Moi, je vous les donne, après, vous en faites ce que vous voulez. Parce que j'ai aussi eu quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais j'ai joué vos chiffres de chance pendant 2 mois, j'ai rien gagné. » Peut-être c'était au 3e mois que vous auriez gagné, ou au 6e, j'en sais rien. Ça, on ne peut pas savoir. C'est des numéros de chance d'après votre date que l'on calcule plutôt en numérologie et aussi par d'autres concepts que j'ai. Et je vous donne ces chiffres. Après, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Si vous ne les voulez pas, ne me les demandez pas. Mais comme je vous ai dit une fois, je sais qu'il y a des années de ça, j'ai donné des chiffres comme ça, puis la personne a gagné. Et je le dis et je le redis, parce que c'est pas, et je ne vous dirai jamais qui c'est, bien sûr, parce que moi je sais qui c'est, qui a gagné plus de 500 000. Ce n'était pas des millions, mais c'était 500 000 francs. Moi, je les veux bien. Hein. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont gagné avec ça? Peut-être, mais ils m'ont rien dit. Hein, parce qu'ils ont dit, oh là, on va devoir donner quelque chose à Bruno, donc on dit rien. Parce que lui, il ne perd pas le nord, il va nous dire, oui, je veux une pourcentage. Non, mais non. Mais non. Je dis, peut-être qu'il y a des gens qui ont gagné. Et on n'est pas au courant. Mais par contre, cette personne me l'avait dit. Elle m'avait dit, écoutez, parce qu'il vous a eu à l'époque, maintenant on se tutoie. On est devenu plus proche, mais ce n'est pas pour les 500 000 francs, ça n'a rien à voir, c'est son argent. Mais cette personne, on se parle, voilà, on se connaît depuis des années, on a fini par sympathiser. Et cette personne m'a dit, mais grâce à ces chiffres, bah, il n'avait pas fait le gros jackpot, mais il avait fait, je ne sais plus, un deuxième ou un rang, ou je ne sais plus. Parce que pour gagner 500 000 francs, voilà, c'est déjà bien. C'est comme je dis, hein, si la personne dit « Oh non, mais moi je voulais gagner des millions, 500 000, ça ne m'intéresse pas. »« Ah, ça ne t'intéresse pas ? » ?»« Bah tiens, voici mon numéro de compte en banque ou mon compte postal, tu peux les verser, hein, puisque ça ne t'intéresse pas. » Garde-les pas, ça ne sert à rien, ça ne t'intéresse pas. Hein. Ça m'étonnerait, hein. C'est pas ce qu'il m'avait dit. Hein, voilà. Ok, alors en attendant la deuxième page de pub, je vais encore vous lire quelques articles. Donc je vais vous lire par exemple le kit Saint-Michel Archange, également appelé Michael donc Archange. Ce kit comprend une bougie fondue dans la masse, je vais mettre les lunettes, ça ira mieux, de couleur rouge avec impression prière Saint-Michel au dos de l'emballage plastifié. Une carte plastifiée Saint-Michel, format carte de crédit, qui peut vous accompagner partout avec au dos une impression d'une prière à Saint-Michel différente de celle de la bougie. Une petite médaille à effigie de Saint-Michel qu'il faut garder sur soi. Saint-Michel, également appelé Michael, est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. Ça ne veut pas dire que les autres sont moches, hein, mais voilà, c'est le plus, voilà, plus beau, le plus grand. L'archange Michael, c'est un peu le chef. L'archange Michael, pas seulement, enfin bref, l'archange Michael Michel ou Michael signifie en hébreu qui est comme Dieu. Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Saint-Michel Archange est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques.
Voilà ce que je disais. Michael est ainsi représenté en armure, brandissant lance et épée, et terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur d'âme qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière par son épée. Il coupe les liens du cœur, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint-Michel sont très nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes ou régions en Asie, en Europe et aux Amériques. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michael. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie de Saint-Michel, archange Saint-Michel, de couleur rouge. Le rouge est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force, de la motivation, du courage, de l'ambition et du dynamisme. Vous trouverez les prières de Saint-Michel sur l'emballage de la bougie et derrière la carte de protection plastifiée de Saint-Michel. Faites vos prières et vos demandes, puis après, si vous le voulez bien, invoquez le rayon sacré bleu de l'archange Saint-Michel pour qu'il manifeste également en vous la protection, la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation, la confiance, enfin l'action divine. Inspirez la couleur de ce rayon bleu dans chacune de vos cellules et demandez à l'archange Saint-Michel de vous en combler de ses bénédictions. Son prix, 20 francs, plus là aussi frais de livraison. Bon, un petit peu, hein. Alors, je vais trier un petit peu. Il y a des choses que j'ai pas vues depuis longtemps. Chaînette tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté. Toutes les qualités de notre cœur divin. Lorsque nous appelons la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là, elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au cœur d'amour de l'univers. Et nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre propre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toute énergie discordante.
Alors voici le petit cœur, donc vous le voyez, nous vous proposons, mesure environ 1 cm et sa chaînette environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent, donc sterling 925, et vous seront proposés au prix de 30 francs seulement, plus frais de livraison. Alors on a encore du temps. Ah, les le bracelet 7 chakras. Ah ouais, c'est ça. Le bracelet 7 chakras. Ah, un petit peu soif à force de parler. Hein. Oui, allô ? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, vous m'entendez ? Oui, oui. Ah, madame, formidable. Formidable. Vous ne m'entendiez pas tout à l'heure, hein ? Non, pas du tout. Maintenant, ça marche. Ok, parfait. Oui, oui. Alors, j'ai déjà pris vos coordonnées. Oui, c'est bien juste. Oui. Puis encore quelqu'un d'autre. Vous m'aviez donné votre mari aussi, je crois. Voilà. Oui. Je vous écoute, ma chère madame. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir ? Écoutez, Bruno, comme d'habitude, les énergies, d'abord. Pour vous ? Oui, pour moi, oui. D'accord. D'abord. Alors, les énergies. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Oui, mais j'étais en vacances. Ah, vous avez été en vacances ? Dans votre pays ? Oui. Ça s'est bien passé ? Oui, ça a été. Beaucoup bon. De travail, mais ça a été. Enfin, voilà. On a pas... Vous avez été combien de temps ? Un mois et demi. Ah, un mois et demi. Bon, vous êtes à la retraite, hein, je crois, savoir, il me semble, non ? Oui. On peut faire oui. quand on veut. Comme il y a on deux veut. Mois. Il y a deux mois. D'accord. Ça ne me rajeunit pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le but de la soirée, mais vous êtes quand même d'un pays de l'Est. Il n'y a pas trop de soucis avec ce qui se passe non, dans les pas pieds à côté tout. Non, rien. Il y a ça. Non, oui, je suis côté tout près, mais. D'accord. Ça, oui. Non. Tout se passe bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies. Le 3, Bruno. Le 3. S'il vous plaît. Oui. Alors, pas mal de fatigue en ce moment. Vous êtes rentré quand dans votre voyage ? Le 3 octobre. Le 3 octobre ? Ouais. Ah, oui. Ça fait... Ouais, donc ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Alors voilà, parce que lorsque c'est ça la fatigue, je ne sais pas. Mais on voit un peu... Oui. Mais bon, rien de... Non, ça va, rien de catastrophique. On voit que... Alors, moi, ce que j'imagine, ce que je vois, c'est que, comme vous avez dit, tout s'est bien passé dans ce voyage. Mais bon, il y a toujours des fois des petites choses qui embêtent ou qui vous ont peut-être agacé. Oui, ce que je comprends, hein, parce que je sais, je me souviens que vous avez des choses là-bas et que ce n'est pas toujours facile. Oui. Mmh. Vous avez peut-être profité que vous étiez là-bas pour faire certaines choses, j'imagine. Oui, et puis que vous avez essayé de régler, mais que peut-être tout n'est pas réglé, effectivement. Hein. Non, voilà. Faire, mais écoutez, mais bon, les énergies, alors on voit que cette petite fatigue, c'est-à-dire que c'est un peu momentané. On voit que dans les jours qui suivent, ça va aller. Les choses que je sais que vous aviez des soucis de santé ou d'énergie, parce qu'on ne rentre pas dans la santé auparavant, ça va. Je vois que les choses sont un petit peu, je ne sais pas comment vous dire, endormies ou maîtrisées pour l'instant, même si des fois vous avez des douleurs ou des choses comme ça. Le ventre. Pardon ? Parce que comme je dois aller le 20 novembre, je dois aller faire un check-up comme tous les 6 mois. Parlez bien fort, s'il vous plaît, je vous entends à peine. J'ai dit, je dois faire mon traitement oui. Tous les 6 mois quand j'y vais d'accord. À l'hôpital pour faire la transfusion. D'accord. Est-ce que ça va bien aller ? Oui, parce alors écoutez, vous voulez que je regarde ça, si ça va bien se passer ? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, est-ce que ça va bien se passer ? Vous allez quand ? Le 20, vous avez dit ? Le 20, oui. Est-ce que tout va bien se passer ? Un chiffre entre 1 et 6 ? Le 3. Le 3. D'accord. Je m'excuse parce que je ne sais pas exactement. Alors, vous n'avez pas besoin de nous dire ce que vous allez faire, mais le traitement ou ce que vous devez faire, ça va ou c'est un peu pénible quand même ? Non, c'est ça va ? Une perfusion. D'accord. Pardon ? Oh,
J'ai pour toute la journée, mais D'accord. Alors c'est je peut-être ça que ça préférais fait. faire Parce que ça passer dit qu'il Fusion faut le pour parler. passer. Mais bon, Comment? écoutez, après, il y a la carte des plaisirs, ça va aller. Une fois, c'est comme tout. Une fois que ça sera passé, ben, ça, vous serez contente que c'est fait, effectivement. Vous serez tranquille quelque Oui. temps. Mais il faut le passer. C'est comme toute chose. Voilà. Donc c'est peut-être plus la longueur ou le fait de devoir faire ça qui, des fois, voilà, comme vous dites, on s'inquiète, puisque en plus vous posez la question, dès qu'on veut toujours savoir si ça va bien aller. Mais moi, je pense que ça va bien se passer. Il y a quand même la carte des plaisirs. Faut le passer. Une fois que c'est passé, voilà, vous direz maintenant c'est. Parce que vous devez le faire tous les combien, ce traitement? Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Bon. Oui. Donc c'est en fait ça que veulent dire les cartes. Après, vous serez tranquille 6 mois, ça me semble logique, effectivement. Donc une fois passé, vous êtes, oh, Oui. ouf, c'est fait, Oui. c'est fait. Voilà. Mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas, ma chère madame. Voilà. Autre Oui. chose? Et puis, eh bien, je vous avais le nom de mon mari. Est-ce que vous pouvez me dire un peu la relation de couple et puis ses énergies aussi à lui? Parce que ça va pas fort. Ça va pas fort, ses énergies à lui. Oui, et puis la relation de couple non plus, vous savez D'accord. qu'est-ce qu'il y a, et D'accord. puis Alors, c'est deux choses voilà. différentes. On va déjà voir les énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre mari. Le 2. Qu'est-ce qu'il a, lui? Parce qu'on ne peut pas tout deviner, les choses. Il a quoi comme souci? C'est les. Le diabète. Pardon? Le diabète. Le diabète. Oui. Et puis le problème, c'est que bon, il a Bon, ses alors, encore une fois, c'est pas médicaments. pour parler de la maladie, mais c'est pour ressentir les choses. Voilà. Je pourrais pas vous dire grand-chose là-dessus. Oui. Moi-même, j'en ai. Hein, donc voilà. Donc c'est pour dire. Mais voilà, Oui, non, mais le ça, problème, il c'est. n'est pas Bon, il y a là. beaucoup de gens. Le problème, Bon, c'est que écoutez, est-ce que. quand on a cette maladie, vous connaissez très bien, il faut quand même tenir compte de beaucoup de choses. Oui, il faut faire Il attention. faut avoir une. Il faut avoir une hygiène de vie assez Une stricte. hygiène de vie assez stricte Absolument. que lui, il n'a pas du tout. Alors moi, c'est ce que j'allais dire. Lui, je pense qu'il suit pas. Bah, écoutez, moi, vous savez, quand on aime la vie et puis qu'on voit les autres manger certains trucs qu'on peut pas, donc je pense que c'est pas facile, hein, comme beaucoup de gens. Mais effectivement, je pense que il est pas dans une. Les cartes parlent qu'il est peut-être pas forcément dans une bonne phase par rapport à ça. Il est peut-être déréglé ou des choses comme ça, mais ça va aller, disons. Je pense que c'est. Par contre, il doit quand même effectivement. Il est suivi, je pense, pour ça. Oui. Je pense qu'il doit quand même, on va dire, ces prochains mois, être un petit peu prudent. Hein, voilà. Il faut qu'il. Ah, je sais pas comment dire. Peut-être moins d'excès avec certaines choses. Je suis obligé de vous poser une Oui. question. Est-ce qu'il touche à Il a un l'alcool? excès vraiment qui, Attendez. pour qu'est-ce qu'il Est-ce qu'il. a, c'est Alors, est-ce qu'il touche à évident. l'alcool? Vous êtes là? Oui. Oui, est-ce qu'il touche à l'alcool? Oui. Voilà. Donc moi, je sens des choses un petit peu où il doit faire très, très, très attention, parce Oui. qu'effectivement, moi, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais effectivement, par rapport à ce qu'il a et la maladie dont on m'avait parlé, les cartes disent quand même attention, prudence aux excès, de ne pas aller dans certaines choses. Mais finalement, s'il arrive à se maîtriser, ça devrait aller. Par contre, s'il ne tient pas compte des avertissements que lui donne son propre corps, ou les gens autour, ou les médecins, ils risquent gros, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc Bien sûr, ça on le sait. il faut qu'ils se calment un petit Et peu. Hein. puis, On va oui. regarder, vous m'avez parlé de la relation de Oui, et couple. puis Hein. d'abord, Attendez. avant ça. Attendez, on est en train, je m'excuse, on est en train de parler en même temps, donc moi je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit. Je dis avant qu'on parle des relations du couple, Oui. j'aimerais vous poser une question parce qu'il travaillait et puis il a arrêté. Mais Et je mets. Alors normalement. attendez, 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 voir, madame. Est-ce que la régie est au maximum? Je n'entends pratiquement pas la personne. Ou alors vous parlez très très faiblement. Il faut vraiment. Attendez, Faut essayer attendez. de. Je vous entends à peine. J'ai beaucoup C'est beaucoup mieux de peine. comme ça? Oui, un petit peu mieux. Parce que vous avez mis l'haut-parleur ou bien? Oui. Non, alors enlevez l'haut-parleur et parlez directement au téléphone, s'il vous Voilà. plaît. Voilà, Bruno. D'accord. Ouais, parce que je vous entends très Bruno. faiblement, j'ai de la Oui. peine à croire. Voilà, ça va mieux Ouais. comme ça, effectivement. Merci Oui. beaucoup. Alors, je vous écoute. Vous me Voilà. disiez, vous me disiez. Alors, je voulais juste savoir, parce qu'il travaillait encore, Oui. à 80%, et puis il a arrêté parce que le monsieur qui travaillait avec lui, ça lui convenait pas trop.
D'accord. Et puis il a entendu un autre patron qui lui a dit qu'il aura pour lui le 7 novembre quelque chose. D'accord. C'est dans le taxi qu'il y aura quelqu'un qui va partir. Est-ce que ça va se faire? C'était dans la conduite, dans le taxi, hein, je crois. Oui. Je me souviens. Hein. Donc, alors attendez, je veux répéter, voir si j'ai bien compris. Donc, vous dites qu'il a arrêté, il faisait avec une autre personne, ça ne lui convenait plus. Puis là, il aurait quelque chose peut-être fin novembre avec un autre patron, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça serait à quel pourcentage, là, vous pensez? Toujours 80%, parce que son âge, il ne peut pas faire plus. Parce que lui, il a envie encore de continuer quand même. Oui, il a envie, oui. D'accord. Puis ça lui fait du bien. Hein, que d'accord, oui. Oh, puis financièrement, ça aide, hein, c'est sûr, hein, je pense. Ah, hein. Ben écoutez, hein. Ah, ben voilà. Vous savez ce que c'est quand on est à la retraite. Oui, je le sais. Alors, donnez voir, ma chère madame, un chiffre entre 1 et 6. Je vais aller voir pour lui. Le 3. Le 3. Ah, ouais, c'est pas avec ce qu'on nous donne à la retraite qu'on peut s'en sortir vraiment. Hein, voilà. Le 3, voilà. Ça va. Oui, ça va bien aller, puis ça va se faire, hein, je dirais, d'après les cartes. Alors, c'est très. Mm-hmm. C'est un oui, très. Je comprends, vous sortez, ça vous préoccupe, je comprends, parce que vous dites tout d'un coup si cet argent. Parce que, bon, quand on travaille comme ça, c'est un peu un genre un peu indépendant. Si on ne travaille pas, on ne gagne rien, c'est sûr. Hein, donc, Mais oui. Donc, voilà. Et donc, s'il travaille. Ouais. C'est plutôt qu'il sort. Au lieu de rester toute la journée devant la télé. Mmh. Non, mais ça, j'ai pas peur pour ça, ça va aller, alors vous inquiétez pas. Oui, puis ça, alors les cartes sont bonnes, il va y avoir des bonnes nouvelles, je pense. Alors, est-ce que c'est fin novembre, est-ce que c'est début décembre, j'en sais rien, mais c'est assez proche, effectivement. Donc, pas de souci de ce côté-là, ma chère madame. Autre chose, vous avez votre fils aussi, je crois, vous avez des questions. Oui, entre nous deux. Ça va pas fort parce qu'il est un peu bizarre, il est un peu agressif, mais un peu. Je vous entends pas bien, je m'excuse. Hein. Reparlez bien dans le micro. Entre nous deux, la relation du couple, que vous voyez. Avec sa femme? Non, avec moi. Mais j'ai pas compris justement, quel est le souci avec votre fils? Je dis, mais entre nous deux, la relation du couple. Ah, là, vous ne parlez pas de votre fils, vous parlez du couple, là. Non, je parle toujours de moi et mon mari. Ah, ok, mais c'est pour ça, je malgré... Oui. D'accord, ok, alors, là, parce que je croyais que vous parlez du fils, je ne comprenais plus. Alors, on parle de la relation de couple. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Bon, après, on sait que pour certaines choses, hein, vous me comprenez, madame, il y a un temps pour tout, hein, mais voilà. Mais quand vous parlez de relations, vous parlez aussi de relations d'échanges, relations de discussions, de choses comme ça, aussi un petit peu, c'est compliqué. De tout point de vue. Pardon ? De tout point de vue. De tout point de vue, hein, ouais, d'accord. Ouais, je pense qu'il est... Alors, lui, vous, on voit que c'est effectivement une période un peu compliquée, cette fin d'année. C'est comme ça. Ça semblerait s'arranger un petit peu, parce qu'il y a quand même la carte du contact. Et puis les choses qui devraient aussi aller mieux un petit peu en début d'année. Ça va aller. Voilà. Les hauts, les bas, comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent, le travail, la sensualité, tout ce que vous voulez. On voit qu'il y a des hauts et des bas. Mais disons, dans l'ensemble, je vois pas des trop mauvaises choses. Parce que... Et puis, il y a aussi une chose, effectivement, qui sort beaucoup de votre mari. Lui, s'il peut travailler, bah, il est heureux. Je ne sais pas comment dire. Il sera mieux aussi. Oui, tout à fait. Donc, et puis ça l'occupe, et puis vous n'êtes pas l'un avec l'autre toute la journée, donc c'est aussi bien pour lui. Bah, autant vous pour savez, lui, toute la journée, pour lui autant que pour vous. C'est là, c'est pas facile. Hein. Autant pour lui que. C'est pas moi seulement, c'est un peu tout le monde. Voilà, hein, pas seulement pour lui, aussi pour vous, effectivement. Voilà. Autre chose, éventuellement. Écoutez, vous avez mon fils, et puis sa femme après le nom. Alors sa femme, je ne l'ai pas. Écoutez, mon fils. Oui, vous avez Alina là-bas. Ah voilà, pardon. De Abdil. Ah voilà, ça commence par S, sa femme. Non, par A, Alina. Alors, je ne l'ai pas.
Alors attendez, on Non, co... c'est un ami. Alors, elle... Ah, vous avez dit qu'il a pas mal de monsieur. Alors C'est attendez. Alina de Avril 82. Alors, dites-moi. Alina de Avril 82. Je vous entends peu. 2 avril. 82. Et puis son prénom, j'ai pas bien compris. Alina? Alina, oui. D'accord. Excusez-moi, c'est pas, je sais pas ce qu'avec. Ah voilà, cette fois je l'ai retrouvé. Ok. Alors, on me le montre maintenant. Alors, vous vouliez savoir quoi? La relation dans le couple, c'est ça? Ça aussi, et puis mon fils, il a subi son opération. Est-ce Oui. que vous, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, pour l'oreille. Il a fait un. Oui, pour l'oreille, ça s'est très bien passé. J'ai pas, Bon, ce n'est pas tout à fait je fait. m'excuse, mais Fini. attendez, attendez. Vous m'avez dit quoi? C'est fait, il doit le faire, je comprends rien du Oui, tout. non, non, c'est fait, c'est Ah, c'est fait. fait. C'est bien réussi, Oui. grâce à Dieu. Et vous voulez savoir quoi? Bon, il va subir à l'autre aussi, peut-être dans 2, 3 mois. Une autre opération. Non, la deuxième oreille, hein, parce qu'il avait des Je problèmes aux deux. comprends rien de ce que vous me racontez. Je ne sais pas où vous parlez vraiment plus fort dans le téléphone. Je comprends pas. Je m'excuse, hein, mais je Non, vous je vous entends dis, mon mal, fils mal, mal, s'est mal, mal. opéré Qu'est-ce que... d'une oreille. Il doit s'opérer de deux. Oui. Alors, la première opération s'est passée il y a le 25 septembre. Oui. Ça s'est très bien passé. Oui. Bon, c'est long parce qu'il faut maintenant la rééducation et tout et tout. Et puis après, il y aura la deuxième Ah, bah alors je à disais, lui faire. il y aura une deuxième opération pour l'autre oreille. Donc c'est bien ce que je disais. Oui. Ok, vous me Oui, disiez non. Ok, d'accord. On va y oui. arriver. Donc vous voulez savoir si la deuxième, ça sera quand ça, la deuxième? Ah ben écoutez, on ne sait pas trop, Vous dans savez deux, pas trois mois, encore. je pense. Donc vous voulez savoir si ça se passera aussi bien la deuxième, c'est ça en fait. Oui, Voilà, je si le m'excuse, hein, résultat, je il sais va pas si être c'est bien. les, je sais pas si c'est les téléphones, si c'est les ondes, je sais pas ce que c'est là. On m'a indiqué que ici ils ont mis au maximum, donc ça doit être un problème de C'est téléphone. Alors, peut-être moi que je parle pas très fort, peut-être. non, mais je sais que vous n'êtes pas très bien non plus, puis peut-être vous parlez doucement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le 3. Ah, mais là, je vous entends vachement bien, alors maintenant. Oui, mais bon, je parle plus fort, mais vous savez, Je suis quand désolé, on hein, n'est pas je tout suis seul, désolé, mais c'est j'ai une raison de ne pas parler très fort. Non, peut-être, voilà, peut-être c'est moi qui deviens sourd aussi. Hein. non, non, non. Non, 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 pas du tout. Avec l'âge, hein, vous savez, hein. Ça va bien. Mais. Voilà, ça va. Non, mais il faut s'y prendre sur soi. Hein. Des fois, c'est vrai. Vous savez, des fois, on entend. Voilà. Écoutez, ça va très bien se passer. Alors, il faudra le passer comme il a dû passer. Mais on voit vraiment Oui. l'opération. Et puis, alors, ce que je ressens, peut-être, ça sera peut-être un petit peu plus long que l'autre. C'est marrant. Hein. Mais quand je dis plus long, pas l'opération, la remise en forme. Peut-être il faudra un petit peu plus de temps, de patience. Mais ça va aller parce qu'on voit la carte de l'amitié, la carte de la tour, qui est une carte de choses qui vont bien se poser. Simplement, est-ce que c'est l'opération qui est plus longue ou est-ce que c'est l'après-opération qui peut prendre un petit peu plus de temps? Mais dans l'ensemble, ça va bien se passer, autant bien que la première. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Faut pas vous inquiéter. Voilà. Oui, non, non, c'est déjà une réussite. Tout à fait. Là, je Tout à suis fait. plus que contente, je suis heureuse même, D'accord. parce que c'est vraiment une libération pour lui. Encore une dernière question. Alors, Oui, pour le couple. maintenant, leur relation de couple, Oui. C'est toujours autant tendu entre vous et elle, ou bien ça va? bah, non, mais maintenant, c'est la fin. Entre moi et elle, il n'y a plus rien, c'est fini. Je lui parlerai plus jamais. Bon, jamais, c'est pas français. Mais là, il y a eu quelque chose juste avant que je parte en vacances. Oui. Que là, non, là, c'était trop quoi. Là, Vous étiez. fini, terminé, on ne se connaît plus, chacun de son côté. D'accord, chacun. Voilà. D'accord. Donc Parce que vous. là, elle a vraiment dépassé toutes les limites. Les bornes, comme on dit. Ben, tout est bon, voilà. D'accord, ok. Donc il y a Voilà. eu. Alors, Il y a eu. Il y a eu quelque chose entre. Maintenant, là, Oui. maintenant, c'est mort, quoi. Moi, pour moi, il n'y a pas à revenir en arrière. D'accord. 17 ans, j'ai trop passé, c'est bon, quoi, ça suffit. D'accord. Maintenant, ce que vous voudriez surtout savoir, c'est entre elle et votre fils, comment ça va aller, c'est ça? Oui, et puis, leur situation financière, parce que madame, elle a 41 ans, et puis elle a quand même réussi
à trouver un 50%. Mais d'accord. C'est pas grand-chose. Bon, c'est mieux que rien, bon, on va dire. Hein, mais voilà. C'est mieux que rien, on va dire, oui, oui, oui. Elle fait quoi comme genre de travail? Elle est dans quoi, si je peux dans la restauration. Restauration. Ah, Nina. Un chiffre. C'est aussi un peu, je dis, vous, je sais que vous en avez parlé, mais c'est votre fils qui l'a un petit peu aussi poussé, un petit peu, à faire ça, ou bien... Ou c'est elle-même? Oui, bon, elle s'est rendue compte que ça n'allait plus, mais bon, elle a pris ça pour dire, oui, je fais quelque chose, mais... Ou pour vous savez, c'est pas suffisant, ils ont des enfants, hein. Ben oui. Et puis moi... Tout le temps derrière, moi je suis à la recherche, non, ça suffit. Hein. Ben oui, vous n'êtes pas la banque, vous n'êtes pas la banque non plus, comme on dit. Hein, ah, j'ai été la banque pendant des années. Hein. Donnez voir un chiffre entrant ici, je veux dire, regardez le couple, et après on regardera la situation. Le 2. Après on regardera la situation financière. Oui. Après, ils ont des enfants aussi, hein, je crois. Oui, oui, deux enfants, 13 et 9. Ouais. Mais avec les enfants, vous parlez, il n'y a pas de souci, tout ça, ça va bien. Oh, les enfants, on parle, mais ils venaient manger chez moi à midi, maintenant ils ne viennent plus. Ok. Les enfants, ils ne viennent presque plus chez moi. Parce qu'ils les mettent dans la tête. Voilà, alors c'est son problème. Ne vous inquiétez pas, ce que je ressens, ma chère madame, c'est que les enfants grandissent. Puis un jour, ils se rendent aussi compte comment est leur père, comment est leur mère, comment sont les gens. Et ils feront leur propre jugement, ne vous inquiétez pas hein, pour ça. Non, je ne m'inquiète pas. Voilà, donc, non, si elle croit qu'elle me fait mal par rapport à ça, ça ne me pose aucun problème. Absolument, je me suis assez occupée. Il faut laisser agir le temps, effectivement. Alors, écoutez, c'est vrai que... C'est un peu un couple sans être un couple, on va dire comme ça. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on voit, il y a les enfants, ils se supportent. Comme je vois les cartes et mon ressenti, je ne suis pas sûr qu'ils finissent leur vie ensemble, ces deux. Voilà. Mais c'est pas la première fois, et puis si vous n'êtes pas le seul à me dire ça. Est-ce qu'ils attendent peut-être, comme font des fois des couples, que les enfants sont un peu plus grands puis qu'après fassent leur vie? Moi, je pense, c'est marrant, c'est comme si on me disait que peut-être ils s'entendront mieux quand ils seront plus ensemble que maintenant. Mais bon, voilà, pour l'instant, ils supportent l'un et l'autre, ils essayent de faire face, surtout votre fils, mais que voilà, après, c'est pas facile, hein, la vie n'est pas facile. On va aller voir la situation financière, hein, vous avez dit. Oui, oui. Pour l'instant, ils restent ensemble, mais je suis pas sûr qu'ils restent... Alors, peut-être dans 10 ans, vous me consultez, si je suis toujours vivant, j'espère. Peut-être ça aura changé, mais je veux dire, voilà, on sait, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, situation financière entre Alina et votre fils. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1, oui, d'accord. Le 1. Oh, c'est pas terrible. Hein. Ah. Alors, il y a la carte de la nuit. Ça veut dire que, bon, ils s'en sortent, mais juste, je pense qu'ils ont des problèmes. Est-ce qu'ils ont des choses arriérées ou des choses qu'ils n'arrivent pas à payer, vous pensez? Ben, Bruno, le problème, c'est que j'ai rendu des vacances. Elle a été avant moi, parce qu'elle vient du même pays que moi. Oui. Elle est partie, mais pas chez moi, dans ma maison, parce que je n'ai pas accepté. D'accord. Elle a été dans sa famille. Elle a été sans mon fils, évidemment, parce que lui, il avait ses problèmes de santé. D'accord. Et puis, quand il rentre des vacances, moi, je suis rentré des vacances. Et puis, ils avaient 7 mois de retard de loyer. 7 mois. 7 mois? Vous vous rendez compte? Ah, ben voilà. 7 mois. Et quand j'ai entendu, j'ai cru que j'allais tomber à l'envers. Oui, parce qu'il risquait l'expulsion, là. Oui, normalement. Expulsé, vous savez, je me suis renseigné. Expulsion, oui, j'aurais pu. Il risquait. Mais vu qu'il y a des enfants, je me suis un peu renseigné. Ouais. Ils les auraient mis en poursuite, mais ils en ont déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai payé les 8 000 francs de retard. Ouais. Mais... J'ai fait une lettre comme quoi qu'il s'engage, et elle et lui,
qui me rembourse 200 francs par mois, parce que là, moi, j'en peux plus. Mon fils, ça pose pas un problème, parce qu'il travaille 15 heures par jour. Ouais. Mais madame, qu'est-ce qu'elle fait? Je voulais pas lui donner comme ça, gratuit, parce vous que j'ai assez donné. Vous avez bien fait, vous avez bien... Enfin, après... Mais je pense qu'il faut maintenant, pas ça passait un mois, ben, je vois pas de remboursement. On avait établi 200 francs par mois, mais je vois rien du tout. Bon, moi, je pense qu'ils sont un petit peu... Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être cette année... Ils sont très serrés, oui. Ouais. Je pense que ça ira mieux un peu l'année prochaine, ce qu'on voit. Et puis, heureusement qu'ils vous ont, parce que... Alors, encore une fois, j'ai bien dit tout à l'heure, ils risquaient. Je n'ai pas dit qu'ils allaient être expulsés, mais quand on a autant de mois, effectivement, il y a des circonstances, il y a des enfants, des circonstances, on ne peut pas... Puis surtout maintenant que vient l'hiver, on ne peut pas jeter quelqu'un comme ça dans la rue. Mais, Mais voilà, ils ont de la chance de vous avoir, effectivement, hein, parce qu'autrement, je ne sais pas comment ils auraient fait. Mais bon, je pense que, effectivement, je ressens, moi aussi, dans des cartes, et j'ai vu que peut-être pour l'instant, ils n'arrivent pas trop, même ces 200 francs, à vous les rembourser. Ils feront des efforts l'année prochaine. Et puis, moi, je suis d'accord avec vous, cette dame, il faut qu'elle aille travailler à la journée complète, pas seulement 50%. Mais enfin, oui. Si je peux me permettre. Mais c'est ce que j'aimerais que vous regardiez. Oui. Parce qu'elle a dit qu'elle va commencer à travailler à 100%. Oui. Écoutez, elle n'est pas handicapée. À 40 ans. Écoutez, quand on n'arrive pas financièrement et qu'on est aussi serré que ça, bah... Mais moi je ne suis pas la banque. Hein. Mais non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle va travailler à 100% ou en tout cas 80, 90, entre 80 et 100%, on va dire comme ça? Non, il n'y a pas 80, il faut 100%. Il faut 100%. Alors, est-ce qu'elle va trouver un travail à 100%? Alors, juste le ressenti, elle ferait le même travail à 100% ou elle ferait deux travaux différents, en fait? Non, le même. Mais elle peut? Elle peut travailler à 100%? Dans la restauration, à une caisse, Migros, Coop, n'importe. Bon. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2, oui. Après, on va devoir se quitter parce qu'on m'avertit qu'il y a la pub qui doit arriver. Mais on aura déjà fait un bon tour, hein. Voilà. Non, j'avais juste une question pour une amie, là. Oui, alors vite fait. Oui. Oui, ça dit que ça ne va pas être facile, mais elle devrait trouver quelque chose en début d'année. Hein. Oui, pas tout de suite, ouais, effectivement. Oui. Pas tout de suite, en début, dans les premiers mois de l'année. Alors, faisons vite cette question, parce qu'on me presse un petit peu pour la pub. Alors, dites-moi juste la question. Oui. C'est un ami, oui, la dame. J'aimerais savoir... Cette personne, elle est sincère envers moi. Vous pouvez me donner son prénom? Serena. Ah, celle que j'ai vue tout à l'heure. Oui. Et puis sa date de naissance, c'est le 2 du 4 82, c'est ça? Non, ça c'est du... Elle est du 9 avril 93. Non. 59, 63, pardon. D'accord. C'est une amie à vous, voudrait savoir si elle est sincère, c'est ça? Oui, si elle est sincère envers moi ou pas. D'accord. C'est une amie que vous connaissez depuis longtemps? C'est une amie que vous connaissez depuis longtemps? Non, pas très longtemps, une année. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Écoutez, les cartes sont assez bonnes encore, oui. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup. Moi, je ressens... Alors, ce n'est pas les cartes qui me disent ça, c'est un ressenti. Des fois, il y a peut-être des choses qu'il ne vaut peut-être pas trop lui dire ou les choses trop intimes, on va dire. Mais autrement, je ne pense pas non plus. Non, je ne pense pas qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit... Elle est assez sincère avec vous. Mais ce n'est pas une question de sincérité. C'est des fois, il y a des gens qui blablabla, qui parlent. Et des fois, elle parle trop. C'est un petit peu ce que je ressens. Voilà. Mais à part ça, je ne vois pas de mauvaise ou qu'elle soit méchante ou que... ou qu'il y ait de la jalousie ou des choses comme ça. Ou bien un mensonge, ou... Voilà. Non, pas du tout. OK ? D'accord, non. Je dois vous laisser. Merci, excusez-moi pour le début. Merci, maintenant, je vous entendais bien, mais maintenant, ça va mieux quand on a fini. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à vous d'être passé, ma chère madame. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 0900-900-993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Continuez de vous inscrire pour cette émission et pour les prochaines en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Envoyez une toute petite page de pub. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Prêt pour le téléphone suivant, je sais, je vois. Voilà, je... Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Alors, est-ce qu'on peut dire votre prénom ou je le change? Oui, il faut le changer. Faut le changer. Alors, je vais vous appeler Manon. Mm-hmm. Pas des sources, hein, mais Manon. Et puis, je crois que vous avez besoin d'un secret, c'est ça? Oui, volontiers. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une question auparavant ou par rapport à ça ou autre chose? Parce que le secret, je le fais à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à me demander ou c'est juste pour le secret? Dites-moi. C'était surtout pour le sentimental. Ça fait très longtemps que je suis seule et je voulais savoir si vous voyez une rencontre pour moi. Est-ce qu'il y aurait un jeu? Je ne sais pas si le prince charmant sous le cheval blanc existe encore. Enfin, il existe, mais voilà. Mais s'il y a encore des pro-chevaliers qui existent, c'est ça un petit peu que vous voulez savoir? Je plaisante. Savoir si vous rencontreriez quelqu'un, c'est ça un petit peu? Voilà, exactement. Vous n'avez personne en tête? Non, absolument pas. D'accord. Y aurait-il une rencontre pour Manon? Quelque chose, on va dire, d'intéressant. Bien sûr, vous ne voulez pas juste le truc comme ça. Quelque chose de solide. Non, quelque chose de constructif. Constructif, moi, bien sûr. Je comprends. J'aimerais bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. 6, 2, 3, 4, 5. Parce que vous dites, alors je ne veux pas être indiscret, je sais que ce n'est pas très gentil de demander ça, mais il y a beaucoup d'années où c'est que... Je suis divorcée 25 ans, oui. 25 ans? Oui, mais entre deux, vous avez quand même eu... J'ai eu deux relations de 5-6 ans et c'est tout. D'accord, enfin, bon. Bon, des histoires sans lendemain, mais voilà. Oui. Non, mais ça n'en compte pas, je parlais de choses effectivement sérieuses. Voilà, 4-5 ans, c'est quand même déjà des choses... qui ont quand même duré un certain temps, qui sont terminées. Et la toute dernière relation sérieuse, je ne parle pas d'un truc sans lendemain, c'était il y a longtemps, ça? Oui, ça fait plus de 6 ans. Plus de 10 ans. 6 ans. 6 ans, pardon. Voilà, oups. Je vais perdre une carte. Alors, 1, 2, 5... Bah écoutez, en tout cas, alors, je dirais, d'après les... Alors, le temps est toujours quelque chose pour nous de très compliqué. Il y a plusieurs choses. Cette année, je vois pas... Alors, il ne reste pas grand-chose. Je ne vois pas grand-chose cette année. Passera un peu l'hiver, un peu pas trop... Voilà, un peu au froid, on va dire. Mais peut-être retrouverez-vous du réchauffement plutôt en début... Enfin, quand je dis en début, dans les premiers mois de l'année, il devrait y avoir une rencontre intéressante avec une personne... Alors, difficile de vous la décrire, mais ce que je ressens, c'est la description par rapport à quel genre de personne c'est. C'est quelqu'un qui a envie de construire aussi, quelqu'un qui a une certaine maturité. La maturité, ça ne veut pas dire l'âge, hein, ça ne veut pas dire qu'il a 85 ans, hein, parce qu'on dirait, oh là là, là, il a beaucoup de maturité. Non, c'est une maturité intérieure, c'est-à-dire on peut rencontrer quelqu'un de, sans vouloir discriminer les gens de 80 ans ou de 70 ans, quelqu'un de 80 ans qui n'a aucune maturité, qui est comme un enfant, et un type de 30 ans qui a une énorme maturité. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc on voit, alors après l'âge, ça c'est difficile, mais on voit quelqu'un qui a une certaine maturité de conception de vie, de construction. Enfin, quand je dis construction, il a envie de quelque chose de sérieux aussi. Parce qu'aussi, il y a des fois des gens qui disent « Oh non, mais je veux rien, moi je veux juste m'amuser », et puis paf, pouf, suivante. Non, c'est pas ça. Et là, on voit quelqu'un qui a envie de... Un peu comme vous, peut-être. Et c'est marrant, je ressens assez des... Alors, c'est pas les mêmes similitudes, mais on voit quelqu'un qui a envie aussi de quelque chose de sérieux, qui a peut-être passé un certain temps aussi tout seul, ou des rencontres comme ça qui ne menaient à rien, puis qui a envie quand même de rencontrer quelqu'un, peut-être comme vous, sur qui on peut compter. Ça ne veut pas dire qu'on va habiter ensemble non plus, hein, donc c'est pas, je ressens, oui, non, ça je ne le ressens pas, et peut-être ça vous arrange aussi, hein. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça arrange beaucoup de gens, que, comme je dis vulgairement, que chacun lave ses chaussettes et puis qu'on se voit pour les bonnes choses. Et puis, alors des fois, il peut y avoir des moins bonnes choses. Mais voilà, mais rien de... Voilà. Je ne vois pas ça cette année, parce que je dirais même pas en janvier, je verrai... Alors, difficile de dire si c'est février, mars, avril, mais c'est à partir de là qu'il y a une rencontre intéressante avec quelqu'un. Dans 15 ans, donc vous allez me dire dans 15 ans. Dans combien?
Dans 15 ans ? Dans 15 ans. Non. De toute façon, c'est, chaque fois que j'appelle d'une année à l'autre, c'est toujours l'année prochaine. Ça fait 20 ans que j'appelle, ça fait 20 ans qu'on me dit. Ah, mais à moi, ça ne fait pas 20 ans que vous m'appelez, hein ? Si ? Moi ? Non. Ah, non, parce que moi, je... Alors, il est vrai, alors 20 ans, c'est beaucoup, hein, mais il est vrai que des fois, on voit les choses qui arrivent, mais est-ce que c'est en février, est-ce que c'est en juin ? C'est pas dans 15 ans. Déjà, moi, Bruno, le Béline parle à 2 ans. Donc, dans 15 ans, c'est pas possible. Ça, je le verrai pas. Je veux dire, il faudrait m'appeler dans 13 ans pour que je voie ce qui se passera dans 15 ans. Je vois à 2 ans, pas plus. Dans des choses comme ça. Après, voilà, peut-être d'autres choses, on voit plus loin. Après, effectivement, il y a aussi plusieurs facteurs. Je comprends ce que vous voulez dire, parce que moi aussi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, mais Bruno, alors je ne savais pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas grave. J'ai aussi des gens qui me disent, ça fait 5 ans que vous me promettez quelqu'un. Enfin, promettez. Moi, je ne promets rien du tout. Moi, je vois quelqu'un. Après, il faut aussi savoir saisir l'occasion et puis la provoquer aussi. Parce que... Si, je ne sais pas, est-ce que vous sortez, est-ce que vous voyez du monde, est-ce que vous rencontrez des gens, est-ce que vous êtes active ? Alors, je suis active, je travaille, je sors quand même. Bon, oui. Voilà, je vis quand même. Oui, j'espère. Je ne veux pas dire que je vais beaucoup danser, des choses comme ça, mais il n'y a pas que là qu'on rencontre des gens. Absolument, non. Alors, puis les listes, je vois l'âge, que l'année que vous êtes, le temps des discos, tout ça, c'est du passé. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller de temps en temps, mais c'est vrai que ce n'est plus tellement là. Mais voilà, après, il faut peut-être quand même, je ne sais pas, c'est clair que ce que je veux dire comme ça, ce que je ressens, si vous êtes dans un café, puis comme ça, vous fait un sourire, et puis vous dites, qu'est-ce qu'il a sourire celui-là, puis que vous tournez la tête, bah, parce que souvent les dames disent, ah non, mais qu'est-ce qu'il a à me regarder celui-là, ouais, elle veut le faire là, non, moi je ne suis pas. Donc il faut aussi adhérer, je ne dis pas que vous l'avez fait ou pas, je donnais un exemple, parce que beaucoup de gens m'appellent aussi en me disant, ah mais oui, j'ai rencontré un monsieur, il avait l'air charmant, puis alors, bah rien, moi j'ai tourné la tête et j'ai continué, bah tant pis pour vous, hein, parce qu'il faut aussi provoquer les choses, il faut, ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dans les bras de tous les gens qui vous sourient, je comprends, mais il faut aussi, voilà, là, il faut adhérer, il faut comment dirais-je, il faut donner du retour. Si on vous sourit puis que la personne tourne la tête parce qu'elle dit mais qu'est-ce qu'il a à me sourire dans la rue celui-là, parce que c'est pas convenable, ben voilà, on loupe peut-être une occasion formidable. Alors encore une fois, c'était une façon générale, c'est pas forcément vous, mais quelque part moi je vois souvent des gens qui m'ont dit mais j'ai rencontré quelqu'un de sympa, mais voilà, ça n'a pas été plus loin que le sourire et puis chacun est parti de son côté. Des fois c'est dommage, mais on peut louper quand même. C'est pas pour excuser ou dire pourquoi ça, mais c'est difficile pour nous de dire pourquoi les choses, quand on le dit, n'arrivent pas. Est-ce qu'on a vu quelqu'un, on a raté une opportunité? Est-ce qu'on n'a pas pris la chose au sérieux, puis on s'est dit non, ben, pff, voilà, qu'est-ce qu'il veut celui-là, puis voilà. Des fois, voilà, parce que la personne, si elle fait un sourire, puis qu'on tourne, je dis comme ça, on tourne la tête, va se dire bon, ben, je ne l'intéresse pas, puis il regarde ailleurs. Mais provoquer un petit peu les choses, si je peux me permettre de dire, pas seulement à vous, mais à tous les gens, c'est vrai. Les cartes, sincèrement, regardez. La stérilité, elle est là, ça c'est la carte, dans le Béline, cette carte parle de stérilité actuellement, voulant dire... Novembre, décembre, janvier, pas grand-chose. À partir de février, ça c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de l'homme qui recherche quelque chose. Vous me direz, j'espère. Alors, après, est-ce que c'est effectivement, je dis à partir de février, mais est-ce que c'est en février, est-ce que c'est en juin, est-ce que c'est en avril? Mais pour moi, c'est quand même en 2024. Après, comme je dis, il faut aussi provoquer et accepter certaines choses. Hein. Il y a aussi une chose qui sort dans le jeu, il y a un blocage aussi. Alors, je ne sais pas dans quel terme ou dans quel sens ça dit ça, il y a aussi un blocage par rapport à tout ce qui est homme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences qui vous... Moi, j'ai vécu beaucoup de violence. J'ai vécu avec un pervers narcissique. Alors, voilà. Parce que ça, au milieu du jeu, bon, je l'ai plié, ça disait aussi... Mais ça, je peux comprendre, parce que quand on a vécu des choses compliquées, difficiles, dont on a eu de la peine à s'en sortir... je peux comprendre aussi qu'on soit un peu réservé. On se dit, oh là là, si je retombe sur quelqu'un comme ça, c'est normal. C'est comme la personne qui trompe sur quelqu'un qui a bu. Je ne veux pas d'un alcoolique par la suite non plus. Je dis comme ça. Mm-hmm. Et un pervers narcissique, c'est un peu... Voilà, c'est quand même des choses assez extrêmes, assez difficiles à vivre. C'est de la manipulation, c'est etc. C'est de l'influence négative. Et je peux comprendre. Quelque part, je pense qu'il y a quand même un frein. C'est-à-dire, en fait, ce que j'entends, moi, vous avez envie d'un
côté, mais d'un autre, mais c'est normal, hein, c'est pas un défaut. Dire, oula, j'aimerais bien, mais attention, pas n'importe qui, n'importe comment. Ce que je peux comprendre, vous avez pas envie de retomber sur un pervers narcissique, ce que je le comprends tout à fait. Hein. Voilà, mais pour moi, il devrait y avoir quelqu'un. Ouvrez bien les yeux, donnez la chance. Quand je dis donner la chance, peut-être que si quelqu'un vous dit, ah, tiens, il est pas mal, il me fait un sourire, ben, puis que la personne vous lui sourit et puis qu'elle vient vers vous, vous dit, mais je peux vous offrir un café, acceptez. C'est pas forcément un pervers narcissique. C'est, si vous sentez qu'il est comme ça au bout de quelques jours, ben loin, mais je n'ai pas l'impression. D'accord ? Autre chose ? Non, c'est tout, non. Oui, que je vous fasse le secret, pour quelle raison ? Justement pour le bien-être, vous-même, des choses comme ça ? Voilà, oui. D'accord. Mais je sentais qu'il y avait un blocage. Hein. Alors, on va le faire parce qu'effectivement, il est 21h50, après on n'aura plus beaucoup de temps. Alors, vous allez penser... Alors, je vais prendre un petit carré blanc et vous allez... je vais le prendre si je le trouve dans ma petite enveloppe parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ma petite boîte. Voilà, je crois que j'en ai un. Voilà. Alors, vous allez voir le petit carré blanc devant moi. Dès que vous le voyez, vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous ne pensez à rien d'autre qu'à vous-même. Je vais vous faire un secret. Vous me dites quand vous serez prête. Ok. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Alors, je vous prie, si ça arrive, parce que, alors vous dites, je comprends bien que autant pas moi, mais plein de voyants vous ont dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors après les années, dire quand, si c'était en 2020, en 2018 ou en 2024, c'est difficile à dire. Moi, je vois quand même quelqu'un aussi, ça, j'en suis sûr à 92%, on ne peut pas être sûr à 100%. Après, il faut aussi vouloir. Par contre, ce que je voulais vous demander, ma chère Manon, si ça vous arrive, dites-le nous aussi. D'accord ? D'accord. Ok ? Mm-hmm. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'être passé. À bientôt, Manon. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Bon courage. Merci. Au revoir. Voilà. 0900-900-993, c'est terminé pour ce soir. Alors, juste une petite explication, un petit complément à ce que je viens de dire. Je ne veux culpabiliser personne, mais je sais... On est tous pareils. Moi aussi, des fois, je me trouve dans un café, vous avez une dame qui vous sourit, puis je dis, ça ne m'intéresse pas. Alors, si ça ne nous intéresse pas, on tourne la tête, puis on ne sourit pas. Mais si on est seul, moi, je ne suis pas seul, mais si quelqu'un on est seul, puis il dit, oh, mais tiens, elle est sympa, cette dame fait un sourire, bonjour madame, bonjour. Je m'approche, je peux vous offrir un café ? Si ça m'intéresse, mais faisons le pas. Et vous, messieurs aussi, arrêtez d'être timorés. Vous faites un petit sourire en attendant ce que fait l'autre personne. Elle ne vous dit rien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se ramasser un râteau. On comprend. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Fichez-moi la paix. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se ramasser des trucs comme ça. Mais je trouve que, des fois, on ne va pas assez loin. On va pas assez... Je pense. Alors, même si vous dites... Merci. Bon, alors, tant pis. Ah, mais pas de souci. Je vous trouvais sympa. Il n'y a rien de mal à vous offrir un café, ça n'allait pas plus loin. Il ne faut aussi pas avoir des mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il veut celui-là, qu'est-ce qu'il veut me faire et tout. On est dans un café ou on est dans un lieu public, il ne va rien se passer, hein. Personne ne va se faire violer. Hein. Donc voilà, donc, je suis peut-être cru, mais effectivement, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. Si on cherche rien, on cherche rien. Mais si on a envie aussi de rencontrer quelqu'un puis de faire quelque chose, il faut aussi encourager la personne ou l'autre à venir et à se voir et à parler, même s'il ne se passe rien. Supposons que cette personne, elle vient en boire un café, ben écoutez, voici ma carte, si jamais on se téléphone une fois, merci, au revoir, puis peut-être il ne se passera jamais rien. On restera comme ça. Mais qui vous dit que ça ne peut pas aller dans le sens que, effectivement, j'appelle, écoutez, c'était sympa l'autre fois, est-ce que ça vous dirait qu'on aille manger un petit truc ensemble, en tout bien, tout honneur ? Mais pourquoi pas ?
il ne faut pas non plus voir du noir, du mauvais, voir du négatif, voir que ce sera automatiquement ou un pervers narcissique ou un alcoolique ou j'en sais rien. Il ne faut pas juger avant, déjà. Il ne faut pas préjuger. Parce que la personne, peut-être qu'elle est bien. Et des fois, on a peur. On se dit, oh là là, comment est-ce qu'il va être ? Non. Bah, tant pis, c'est que vous perdez peut-être une belle occasion de faire une belle rencontre. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est la même chose. Parce qu'il y a aussi des messieurs qui aimeraient rencontrer quelqu'un, construire quelque chose. Et vous, mesdames, arrêtez aussi, alors je ne dis pas toutes, hein, mais arrêtez aussi toujours de penser que les hommes, on veut juste le lit et puis le reste, on s'en fout. Il y en a que oui. Faut reconnaître. Il y en a qui veulent juste ça, puis après, ils n'en ont rien à fiche. Mais on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Chacun est différent. Des gens, des hommes, ont envie de construire, ont envie d'avoir quelqu'un, de pouvoir compter dessus. Et il y a des femmes beaucoup plus qui veulent ça, c'est vrai. Peut-être qu'il y a moins d'hommes, mais il y en a aussi des hommes qui ont envie d'être bien, de pouvoir partager un voyage, un repas, le lit, pourquoi pas. Mais pas que ça. Donc, arrêtez de mettre toujours... Moi, je trouve qu'on met toujours les gens dans le même panier. Ah, les hommes, c'est tous des cochons, c'est tous des pervers. Tout ce qu'ils veulent, c'est le lit et c'est tout. C'est pas vrai. Il y en a, oui, c'est vrai. Il y a peut-être aussi des femmes, hein, il y en a moins. Mais arrêtez de penser comme ça. Et vous le savez très bien, mesdames, que c'est pas tout le monde la même chose. On n'a pas tous... On dit souvent que, voilà, on a deux cerveaux, j'irai pas plus loin dans la comparaison. Oui et non. Oui et non. Oui, il y en a que oui et il y en a que non. Donc arrêtez de penser, arrêtez de cataloguer. Et nous, les messieurs, arrêtez de cataloguer aussi les dames. Oh, c'est toutes des enquiquineuses, elles veulent tout ceci, elles veulent tout cela. Pas forcément. Il y en a des enquiquineuses, mais il y en a aussi des très bien, des très gentilles, des femmes formidables qui ne vont pas vous embêter, qui sont discrètes et tout. Il y a de tout partout. Donc laissons la chance aux gens de se rencontrer et de se connaître après. Après, ça ne va pas. On arrête, puis voilà. Bon, moi je vais arrêter de parler ce soir, j'ai beaucoup parlé, parce que je vois l'heure et puis on vient de m'annoncer que les minutes malheureusement défilent pour cette fois, mais pour mieux se retrouver la prochaine fois. Donc, on va bientôt devoir se quitter. Alors, cette semaine, je serai pas mal disponible, pas tous les jours, parce que j'ai plein de choses aussi, des rendez-vous de médecins, machin, truc ça, voilà, mais je serai pas mal disponible. J'ai bien profité jusqu'à aujourd'hui pour être tranquille dans mon petit coin, de rester tranquille, mais faut que je travaille quand même. Donc depuis demain, ce soir, non, je ne vais pas prendre l'antenne, je commencerai dès demain, vous pourrez m'atteindre à différentes heures de la journée en faisant le 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite le 007 qui est mon code PIN. Sinon, vous voyez, il y a aussi d'autres personnes qui sont là après l'émission, avant l'émission, pendant l'émission. Voilà. Donc, vous avez plein de gens. Je vais déjà vous dire, puisqu'on me dit que c'est fini, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée, une belle fin de dimanche, une belle fin de semaine. Passez et dites à ceux que vous aimez, pardon, que vous les aimez, qui vous le rendent aussi. Passez une belle semaine. Passez, voilà, à la prochaine. Je vous salue. À bientôt. Belle nuit et faites de bons rêves.